Voilà. Ok. Hop. Bonjour. Yes. Nous sommes en ligne avec Marion, du S'aimer mieux, sexothérapeute de couple et sexothérapeute. Thérapeute de couple et sexothérapeute. Ça y est. Oui, c'est ça. Bravo. Donc, je suis très contente que ma communauté puisse te rencontrer. Parce que moi, je suis très contente de te rencontrer, donc je suis sûre qu'ils vont t'aimer aussi. Les gens que j'aime, les gens qui t'aiment, ils aiment aussi, les mêmes, je pense. Donc, est-ce que tu veux te présenter en deux mots, puis après, moi, je me présente pour ta communauté qui ne me connaît peut-être pas encore. Super, ok. Voilà, je m'appelle Marion, je suis donc thérapeute conjugale et sexologue, et je lance mon activité qui s'appelle S'aimer mieux. L'objectif, c'est de s'aimer mieux soi-même, s'aimer mieux les uns les autres et s'aimer mieux au lit. C'est un petit peu global comme démarche. Donc du coup, je suis sur, je fais un peu de communication sur tout ce qui est sexualité relationnelle, que ce soit des relations qui soient dans le cadre un petit peu sociétal qu'on a l'habitude, que ce soit de la monogamie ou que ce soit des couples qui veulent ouvrir leur couple, ou alors des personnes qui sont dans des modes relationnels différents, donc sur du polyamour, sur de l'anarchie relationnelle, ou autre. Ça peut être très très vaste, les modes relationnels. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, et j'ai aussi mon site internet pour parler un peu de ma démarche thérapeutique, de comment on peut résoudre des blocages, des interrogations, des conflits, des situations inextricables. Il y a toutes ces infos-là sur le site. Et ouais, et du coup, aujourd'hui, avec Amalia, on a décidé de parler de masturbation parce que le mois de mai, c'est le mois de la masturbation. Je ne savais pas. C'est je ne savais pas quand on a eu cette idée, on s'est dit, ouais, c'est une bonne idée. Puis après, j'ai fait partout, c'est masturbation au mois de mai et tout. J'ai fait, mais c'est parfait, bienvenue. Donc voilà, le mois de la masturbation commence maintenant. Absolument, absolument. Et c'est génial. Moi, ça fait quelques années que j'entends parler de ce mois de la masturbation et j'avais entendu. Ah oui, donc qu'est-ce que je veux dire? Donc, en somme, tu es une sexothérapeute et thérapeute conjugale, sexe positive et inclusive de toutes les minorités, entre guillemets. Oui, c'est encore des minorités, mais de la diversité, en fait. Ouais. C'est tellement précieux, ça, parce que. Le nombre de gens que je connais qui me disent qu'ils sont allés voir des sexothérapeutes pour des gens pour faire des thérapies de couple et qui ne comprennent rien à la différence et qui du coup vont avoir des commentaires, des jugements ou devoir apprendre sur le tas en même temps qu'ils accompagnent les gens. Donc, tu es une personne très, très précieuse pour beaucoup de monde. Merci de faire ça. Merci, merci. Génial. Ouais, non, mais c'est vrai que quand on parle de relations à plusieurs, que tout le monde soit au courant, ou de bisexualité, pansexualité, ou personnes non binaires, des personnes à genrer au neutre, en fait, ça peut surprendre. Et de ne pas avoir à faire la pédagogie en amont d'une thérapie, je pense qu'on gagne de l'énergie déjà. c'est hyper important en fait de pas se sentir jugé parce qu'on est tous dans nos individualités et le fait d'être simplement reconnu tel que on a envie d'être reconnu, ça c'est juste super précieux. Oui, c'est ça, et ne pas être catalogué. Pardon. Ouais, c'est ça, de pas être catalogué comme si on avait un dysfonctionnement, on avait une anomalie juste parce qu'on est soi-même, on est différent, mais que ce soit le point de départ de ok, c'est bon, on peut parler d'autre chose quoi maintenant. super, je regarde si, hop là, sur Facebook, je sais pas où c'est que ça se passe, mais on doit être en live là normalement. Donc... Ouais, moi je l'ai trouvé sur mon téléphone. Ok, super. Parce que je voulais voir quand il y a des questions. Donc, moi, c'est Emmanuelle Duchesne. Je suis fondatrice de Slow Sex Love Life, autrice de ce petit livre dont on parlera peut-être tout à l'heure, enseignante de méditation orgasmique. Et voilà, je suis coach et j'accompagne sur des stages, en coaching. Et voilà, tout un tas de trucs. Et ça fait depuis quelques années maintenant, depuis 2013, que je fais ce travail, ce métier que j'adore, qui me passionne et qui évolue constamment.
Et je suis rejointe par une nouvelle génération sur Instagram notamment, de plein d'influenceurs sur la sexualité qui font un bien fou, qui déconstruisent, qui déboulonnent, qui apportent des bonnes informations sur lesquelles, avec lesquelles je suis beaucoup plus alignée que la génération d'avant, il faut quand même le dire. Je n'ai rien contre nos aînés, mais il y a une petite mise à jour à faire, à mon avis. Bon, super. Alors moi, du coup, on s'est briefé un petit peu tout à l'heure. On va partir, je vais parler de moi, du coup. Et tu pourras compléter si tu veux. Cette histoire, on s'est parlé l'autre jour en se disant, bon, on a envie de faire un live ensemble, de quoi on va parler? Et est venue la question de la masturbation. Et je disais que quand moi, je partage sur les réseaux que la masturbation, ce n'est pas mon truc, c'est un discours qui est assez rare. Et du coup, j'ai des personnes qui ne se reconnaissent nulle part, qui là se reconnaissent dans mon discours, qui disent « Ah, enfin, il y a quelqu'un qui est comme moi et qui l'assume et qui le dit, et même qu'elle enseigne sur le sexe et la sexualité et tout. » Parce que c'est vrai que depuis quelques temps, et c'est très bien, on parle toujours de la masturbation comme quelque chose de très positif, il faut en faire, c'est génial, tout le monde doit se masturber, tout le monde doit aimer se masturber. Sauf que quand on n'aime pas se masturber, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est moins cool? Est-ce qu'on a un problème? Est-ce qu'il faut se soigner, se réparer? Ah! Et du coup, j'avais envie, la proposition qu'on avait, c'est de partir de ce point de départ-là, de s'adresser à ces personnes-là, de leur dire « vous n'êtes pas seule, tout va bien et vous n'êtes pas obligé d'aimer une chose que vous n'aimez pas. Par contre, on peut quand même partager des conseils pour voir si ça peut vous apporter quelque chose, comment ça peut vous apporter quelque chose, en quoi ça peut être chouette ou pas. » Mais d'abord, c'est ce que j'avais vraiment envie de dire, c'est le point de départ, c'est « vous n'avez pas besoin d'être comme les autres. » Vous pouvez vous accepter. Et la masturbation, celle dont on a envie de parler, il me semble, aujourd'hui, c'est quand même un terme de plaisir. C'est d'aller vers plus de plaisir. Et du coup, si une chose ne vous fait pas plaisir, n'essayez pas de vous forcer à avoir du plaisir avec. Focalisez-vous sur ce qui vous donne du plaisir dans votre vie, quoi. Et vous pouvez appeler ça la masturbation si vous voulez. On peut tout à fait se réapproprier le mot. Et que quand vous mangez un truc délicieux, vous vous masturbez la bouche. Pourquoi pas? Si ça, c'est vraiment associé au plaisir, bah, faites-vous plaisir, quoi. Ou se masturber les doigts ou les orteils avec d'autres choses. Enfin, on peut déconstruire ça et dire que si on associe masturbation avec plaisir, ça peut être au-delà de la zone génitale. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus, sur cette introduction? Ouais. C'est ce que tu as dit, on n'est pas obligé d'être comme tout le monde, en fait. Et quelque chose qu'on entend, mais vraiment hyper régulièrement, c'est « je ne suis pas normale » ou « suis-je normale ?» Vraiment, cette peur de la différence. En fait, on est tous uniques. Il y a des choses qui vont marcher pour l'un, pour l'autre. Il y en a qui vont en majorité ressentir ça, mais le fait de ne pas être dans cette, de ne pas se reconnaître dans ce modèle-là, et en fait, ça fait pas quelqu'un de nous, de cassé, de moins aimable, de moindre valeur en fait. Parce que dans notre individualité, on est tous valables et on est tous validés en fait. Il faut vraiment se retirer cette notion de non, je dois être comme les autres, sinon c'est que j'ai un truc qui va pas. Et ça, c'est vraiment voilà, ce que j'ai envie de marteler. Nous sommes tous valables, nous sommes tous valables pour être aimés et pour vivre sereinement, quoi. C'est ça, on est là. Et on vous valide. Voilà. Nous, Marion et moi, on vous valide. Voilà, oui. Affaire réglée. oui, et puis après tu me parlais des croyances limitantes ou en tout cas des freins, des blocages qu'on peut avoir. Est-ce que tu veux commencer puis moi je complète pour ce tour-là? Oui. Du coup j'ai fait un petit tour des questions avant le live pour voir déjà quelles étaient les attentes des personnes qui potentiellement allaient nous regarder. Et donc j'ai une personne qui m'a fait un retour en me disant ok, le titre se réconcilier avec la masturbation, finalement, moi, en tant qu'homme, je ne me reconnais pas dedans. Est-ce que finalement, pour les hommes, on ne devrait pas dire faire un live plutôt sur est-ce qu'on ne devrait pas arrêter de se masturber? Alors, donc, derrière ça, il y a est-ce que finalement, se masturber, c'est pas mal? Derrière l'interrogation que j'ai reçue, moi, j'entends une sorte de pression qu'il y a à, finalement on va ne pas trop se masturber etc. Alors moi je voudrais du coup répondre à cette question en la question c'est à vous de vous la poser en vous demandant ok, est-ce que aujourd'hui ça impacte
ma vie relationnelle et ma vie est-ce que j'ai un est-ce que ça me pose problème dans ma vie? Si bah oui, si vous devez vous masturber toutes les heures et que par exemple sur votre lieu de travail c'est compliqué, ça vous crée des tensions, ok, là ça vous crée un souci, donc faut en parler. Mais si ce n'est pas quelque chose qui vous pose problème en définitive et c'est simplement l'impression globale que peut-être que vous masturbez trop, bah, finalement c'est chacun aussi à ses envies et à ses pratiques. Et là encore, ce sera pas un jugement à avoir, mais finalement une liberté individuelle. Je sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Moi, je rajouterais que moi, je suis vraiment dans l'univers du slow sex. Il y a aussi la notion de pourquoi on se masturbe et de connaître les possibles qui sont infinis aussi, enfin de s'ouvrir aux possibles. C'est-à-dire que est-ce que je me masturbe pour évacuer une tension, pour évacuer un stress? Pour ne plus ressentir de désir, pour ne plus ressentir de frustration, ou est-ce que je me masturbe pour avoir un moment agréable, est-ce que je me masturbe pour fuir quelque chose ou éviter quelque chose, ou est-ce que je me masturbe pour aller vers quelque chose qui me fait envie? Est-ce que je suis dans la fuite ou dans le désir, en fait? Donc ça, c'est vraiment une des questions avec lesquelles on travaille, enfin on étudie, on joue énormément sur le sex love life, toujours quelle est notre motivation? Est-ce que tu es en train de fuir ou est-ce que tu es en train d'aller vers quelque chose que tu désires? Et c'est pas du tout un problème non plus, évidemment, d'utiliser la masturbation pour se détendre, pour évacuer des tensions. C'est pas un souci en soi, c'est est-ce que ça crée un problème ou pas? Voilà. Est-ce que du coup vous en êtes dépendant? Est-ce que ça vous rend. Est-ce que c'est un. Voilà. Et en fait, l'idée pour moi, c'est toujours de s'ouvrir des possibles. Donc, on peut très bien se masturber pour évacuer des tensions et se détendre. Et je préconise d'avoir d'autres options aussi et pas uniquement celle-ci, en fait. C'est-à-dire que oui, je peux choisir plein de façons de me détendre. C'est une parmi d'autres dont je ne suis pas dépendant. Donc, c'est un vrai choix, en fait, et non pas un emprisonnement. Voilà. Et du coup, en slow sex love life, on irait plutôt dans utiliser la masturbation pour augmenter notre capacité à être dans l'intensité, pour augmenter notre capacité à soutenir du désir, à soutenir de l'excitation plutôt que de s'en débarrasser. C'est-à-dire, on va déconstruire tout ça pour aller voir, mais qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Est-ce que c'est agréable ou pas? Est-ce que je peux juste le laisser être, l'accepter encore une fois, etc. Donc voilà. Et puis après, alors moi je voulais bien rajouter, en fait, parce que pour mon point de départ, c'est mon laboratoire personnel, donc mes propres expériences. Donc je peux vous parler un petit peu de mon parcours, mon histoire avec la masturbation, que peut-être beaucoup partagent. Moi, c'était difficile parce que j'avais un. Alors pourtant, mes parents ne sont pas du tout catholiques, ou enfin, ils ne sont pas du tout coincés sur tous ces trucs-là. Mais j'avais intégré malgré tout le fait d'avoir la difficulté au fait de me regarder le faire. Donc, le fait que je sois en train de le faire, j'avais conscience que j'étais en train de le faire et mon propre regard sur ce que je faisais était difficile. Donc, il fallait que je me cache, mais que je me cache aussi de moi-même. Donc, c'était un peu compliqué. C'est une des premières choses... où on peut se prendre en main, où je peux me prendre en main et me dire, ok, ça vient d'où? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que je veux garder cette attitude-là, ce type de pensée, ou est-ce que je veux transformer en autre chose et me l'approprier et en faire quelque chose qui me plaît et ne pas avoir honte de ce que je fais? Donc, évidemment, il y a la honte et la gêne. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire qu'au lieu de me cacher ou de le faire dans une position où je suis très tendue, très... sous mes couvertures, est-ce que du coup je peux m'asseoir, être le corps ouvert, détendu, mettre de la lumière, m'installer vraiment, mettre tout mon petit matériel, créer un moment pour ça, en fait, et du coup d'aller voir tous les espaces dans votre vie où vos actions sont conditionnées par ces croyances. Si ces croyances vous ne les voulez plus, observez tout ce que vous pouvez changer aussi. Et donc moi, ça m'est venu. Je me souviens très clairement du premier moment où je me suis masturbée en étant vue par quelqu'un. Donc déjà, j'étais à l'aise moi-même pour le faire, mais en plus, j'avais quelqu'un qui était près de moi. Et c'était il y a, je ne sais pas combien d'années, il y a 3 ans peut-être. Je ne sais pas il y a combien de temps, 2-3 ans, je ne sais pas. Et j'étais là, waouh, ça m'a pris autant d'années pour y arriver, en fait.
C'était assez fou et c'était totalement spontané. On venait de faire l'amour, il était parti aux toilettes, il revient. Moi, j'étais en train de me caresser parce que j'avais encore de l'excitation, du plaisir, etc. Donc, j'étais en train d'en profiter. Et voilà, et il est venu s'allonger à côté de moi, il m'a regardé, tout allait bien. Et c'était la première fois de ma vie, quoi. C'est fou. Et je continue de déconstruire ça et j'ai bien profité du confinement aussi pour, pour continuer de déconstruire parce que j'avais mes attitudes sur la masturbation. Donc, c'est pour ça aussi que c'est le thème. Est-ce que tu vois d'autres croyances ou d'autres limitations pour les gens ? C'est vrai que là, tu as fait la transition parfaite. C'est que souvent, on associe la masturbation à quelque chose qu'on fait seul. Mais finalement, ça peut être un vrai moment de partage et de connexion avec l'autre. Parce que finalement, pour être en connexion avec quelqu'un, on n'est pas obligé d'avoir un contact physique. On peut être en connexion visuelle, on peut être en connexion auditive aussi. Et le fait, finalement, de partager ça avec quelqu'un, c'est quelque chose qui est très renforçant d'un point de vue complicité et intimité dans une relation. Et, et ça permet également, quand il peut y avoir des différences de désir, etc., et en fait, d'être un moment agréable pour deux personnes qui n'ont pas forcément les mêmes envies au même moment. Ouais. Et ça peut être aussi pédagogique en utilisant ce moment-là pour montrer en quelque sorte qu'OK, moi, je fais comme ça parce que des sexes, ça ne se touche pas tous de la même façon. Donc, quand on peut voir, c'est limite des travaux pratiques, quoi. Donc, il y a de vraies vertus à cette pratique, selon moi. Absolument, absolument. Et c'est vrai que moi, j'ai vécu ça donc récemment. C'est inconfortable, ça me met mal à l'aise. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Alors évidemment, si vous êtes inconfortable et mal à l'aise, ne le faites pas avec quelqu'un si vous n'êtes pas en confiance. Mais à partir du moment où vous êtes avec quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment en confiance, osez vivre un petit peu de ce moment où vous êtes un petit peu mal à l'aise, ce moment où vous êtes gêné, parce que justement de vivre des moments comme ça en étant en réelle sécurité et en confiance, en effet ça va vraiment nourrir la relation, ça va permettre de déconstruire des choses. Pour moi c'est des déconstructions qui sont plus rapides, qui ont plus d'ampleur, qui sont plus profondes en fait, parce que le regard de l'autre accorde aussi de la validation. Et aussi sur l'autre, ça me permet moi de déconstruire tout ce que j'imaginais sur la masturbation de l'autre. Et dire, ah ouais, en fait, il fait comme ça ou elle fait comme ça. Ah ouais, en fait, et je vois bien tout ce que j'avais projeté, tout ce que j'avais imaginé se détruire et dire, oh mais en fait, c'est sympa. et oui, pour parler de notre attitude, enfin notre approche en slow sex love life, on avait parlé aussi en préparation. Souvent, on va se masturber, je vais me masturber parce que j'ai une tension, parce que je suis excitée. C'est une réponse à quelque chose. Donc, c'est une réaction. Et donc, c'est vrai, encore une fois, que la philosophie Slow Sex Love Life propose d'être proactif, d'être dans l'action plutôt que la réaction. Et donc, ça va changer toute la dynamique de la masturbation. Ça veut dire qu'au lieu de se masturber, par exemple, quand je suis super excitée dans le but de jouir et de me soulager, eh bien, je vais plutôt me masturber dans un moment pour réveiller mon corps, réveiller les sensations, être plus vivante, plus pétillante, mais sans forcément me faire jouir. Donc, en fait, le fait que je ne sois pas forcément très excitée fait que c'est facile de ne pas jouir. Et du coup, ça va me donner de l'énergie plutôt que d'évacuer quelque chose. Et cette énergie-là, je peux l'utiliser pour faire plein de choses dans ma journée. Qui vont être connectés à mon cœur, connectés à mes vraies motivations et être alignés sur mes visions, mes valeurs, etc. Et moi, j'ai remarqué, parce que j'ai fait des challenges dans mon livre, alors je vais en parler après, mais il y a un challenge, c'est le challenge des 21 jours où on va éviter de se faire jouir volontairement pendant 21 jours. Ce n'est pas dire qu'on ne doit pas jouir. C'est-à-dire que si on jouit, ça vient tout seul quelque part. Ça vient parce qu'on ne l'a pas provoqué, parce qu'on est dans l'accueil de la chose. Et j'ai découvert avec ce challenge-là que c'est beaucoup plus difficile de ne pas me masturber, de ne pas me faire jouir volontairement les jours où je n'ai pas été nourrie dans ce qui m'intéresse vraiment. J'ai pas une nourriture affective ou intellectuelle, j'ai passé la journée faire du travail sur les emails ou sur l'ordinateur, des choses qui ne m'intéressent pas. Et les jours où même ne serait-ce que des conversations avec des gens sur des choses qui m'intéressent, avec des gens que j'aime,
faire des activités qui ont du sens pour moi et bouger mon corps, aller dehors, faire des choses comme ça, font que je vais pouvoir me caresser, me masturber d'une façon qui va être beaucoup plus positive pour moi, constructive et me donner de l'énergie. Et en fait, quand je crée une carence en faisant des choses de ma journée qui ne me conviennent pas, eh bien, je vais compenser le soir avec soit de la masturbation compulsive, soit aussi aller sur mon téléphone, regarder, faire défiler, 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 voir plein de vidéos, mais me concentrer sur rien du tout. Et c'est une façon de me vider la tête d'une journée qui n'y avait rien de nourrissant pour moi, en fait. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as envie de réagir là-dessus? Bah écoute, il faudrait que je creuse ce challenge que je ne connaissais pas. C'est long, 21 jours. Hein. ouais. Je sais. Bah écoute, il faudra que je fasse un test. Mais là, comme ça, mais ça me fait penser un petit peu au, enfin, à la question de pourquoi. Pourquoi je me masturbe? Pourquoi cette acte prend cette forme-là et pourquoi c'est différent finalement un acte seul qu'un acte à deux, parce que finalement la masturbation souvent c'est quelque chose qui est mécanique, c'est comme tu dis, c'est une réaction ou c'est une habitude. Ça, on peut, il y a aussi des schémas d'habitude qui sont hyper ancrés, c'est le soir quand je me couche par exemple, il peut y avoir vraiment des rituels qui sont posés et finalement ça devient une mécanique. Et ça n'est plus, enfin, c'est plus intellectualisé. Finalement, ça c'est tellement automatique que on se déconnecte finalement du mental, l'émotion et le corps sont complètement déconnectés. Et ce titre de se réapproprier la masturbation, se réconcilier avec la masturbation, pour moi, il y a vraiment un point central de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe quand on est à deux ? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un acte sexuel à deux ou à plus d'ailleurs ? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un acte sexuel à plusieurs? Et ben en fait, il y a une connexion avec les autres. Il y a une interaction. Il y a la sphère émotionnelle qui est complètement investie finalement. Mm. On y met beaucoup d'émotions. Alors que finalement, quand on est seul, cette sphère, elle peut carrément être complètement niée. C'est-à-dire que on peut se masturber en pensant à sa liste de courses, quoi. Et donc du coup il y a cette sorte de différence qui fait que peut-être que si on creuse dans cette direction, on va peut-être pouvoir réduire la différence entre le plaisir que je prends quand je suis avec quelqu'un et le plaisir que je prends seul. Peut-être qu'en se réinvestissant émotionnellement là-dedans avec un sorte de rituel, c'est vraiment du self-love, quoi. Donc je me fais ce moment-là pour moi et je mets de l'émotion. Peut-être qu'on arrivera à mieux se masturber et à vivre ça de façon beaucoup plus satisfaisante que ça dépanne. C'est ça. Je te remercie parce que du coup je vais rebondir directement là-dessus. C'est ça, je crois que c'est le cœur de pourquoi la masturbation, c'est pas mon truc. C'est parce que quand je suis avec quelqu'un, il y a une interaction, il y a une connexion, il y a quelque chose que je ne maîtrise pas, que je ne contrôle pas, et qui va me surprendre, qui va m'emmener, m'embarquer, et qui va pouvoir me mettre dans des espaces où je suis dans mon involontaire. C'est-à-dire que je danse avec quelque chose, j'interagis avec quelque chose, et je fais avec ce qui vient, en fait. Et c'est ça qui est génial. Alors que si c'est moi qui fais tout, je sais ce qui va se passer. Donc, c'est très difficile de sortir des autoroutes habituelles, des réflexes, des habitudes. Et là où je voulais en venir, c'était... c'est possible, il y a des gens qui y arrivent. Et puis, je vois bien que moi, j'ai des petits moments où je peux y arriver. Et donc, je vais commencer peut-être un peu avec ce type de conseil. Et puis, je vais après reboucler avec l'idée du rituel dont tu parlais. Il faut faire un exercice de prendre n'importe quel objet. Donc moi là j'ai un critérium, je peux prendre ça, voilà, un petit objet là, voilà ton stylo, ça. Et en fait ça c'est un exercice qui vient de Betty Martin, que je vous recommande, qui a travaillé sur la roue du consentement, le bossy massage, etc. Et elle a un exercice qui s'appelle Awaken the pleasure in the hands, donc réveiller le plaisir dans les mains. Et donc en fait, est-ce que je peux utiliser cet objet pour caresser ma main, pour apporter un maximum de plaisir à ma main? Et si je fais ça, ça clarifie au niveau sensoriel
que je suis moins focalisée sur ce que ressent la main quand elle caresse l'autre, en fait. Quand je fais ça, est-ce que le plaisir, il est dans mes doigts ou est-ce qu'il est sur la peau qui est caressée? Et en fait, en allant clarifier où je vais chercher mon plaisir, du coup, on peut retrouver l'idée d'une interaction. C'est-à-dire que cet objet-là, il peut, je peux créer des trucs qui sont inattendus parce que ce n'est pas mes doigts qui me touchent directement. Donc, évidemment, ça peut être un sextoy. Hein. Là, on nous travaille sur les mains, mais vous pouvez aussi avoir vos sextoys avec vous pour faire ce genre de choses. Et c'est vrai que moi, je pratique beaucoup plus avec un sextoy en ce moment parce que ça me fait des sensations autres. Et après, évidemment, et si je me caresse avec ma propre main, mes propres doigts, avant de me toucher, je vais vraiment aller activer le plaisir. C'est-à-dire que moi, je vais me connecter à ma main, je vais augmenter mes sensations. C'est-à-dire que je vais vraiment aller observer de plus en plus finement mes sensations dans la paume des mains, le contact avec l'air, le mouvement, et aller chercher cette hypersensibilité au bout des doigts. Et une fois que je la sens, hop, je vais caresser. Et d'aller voir est-ce que je caresse pour le plaisir de la main qui caresse ou est-ce que je caresse pour le plaisir de la main qui est caressée. Et de pouvoir changer de point de vue de temps en temps. Et là, du coup, j'arrive beaucoup plus à recréer l'effet qu'une personne aurait sur moi. Après, avec quoi vous interagissez? Est-ce que vous voulez vous masturber avec de la musique? Est-ce que vous allez vous laisser la musique vous pénétrer, s'emparer de vous et vous allez vous laisser embarquer par la musique? Est-ce que vous allez vous masturber avec, un paysage, parce qu'il y a une interaction possible, ou de la pornographie, évidemment, regarder du porno pour voir ce que ça me fait, ce qui se passe à l'intérieur de moi et de recréer cette idée d'interaction. Voilà ce que je voulais dire. Et après, oui? Non? Non, c'était un bruit, ça. Ok. Et après, au niveau du... Oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Au niveau de créer son rituel, en fait, et au fait que, voilà, on n'est pas deux, et quand on préfère à deux, c'est mieux à deux, forcément. Moi, le truc que j'ai fait récemment, c'est de baisser mes attentes. De me dire, ok, la masturbation, c'est pas mon truc préféré, c'est pas mon grand kiff, c'est pas avec ça que j'ai le plus de plaisir. Donc, je vais pas m'attendre à ce que ça me donne la même satisfaction que quand je suis avec quelqu'un. Je vais lui foutre la paix à la masturbation, je ne vais pas avoir les mêmes attentes et les mêmes demandes. D'ailleurs, même le sexe avec quelqu'un, je ne devrais pas en avoir non plus. Mais du coup, au lieu de me dire qu'avec la masturbation, je vais vivre un truc incroyable, extraordinaire, je me dis, bon, eh ben, je vais le faire même si ce n'est pas génialissime, en fait. Et du coup, en baissant les attentes, j'accepte ce que ça va m'apporter pour de vrai. Et en slow sexe, il y a un concept qui dit « votre enseignant, c'est pas moi, c'est pas nous, voilà, c'est comment vous sentez après, comment vous sentez dans votre corps après. » Et l'autre jour, j'ai pratiqué, et sur le coup, bah, c'était bof, c'était comme d'hab, c'était pas si fou que ça, mais par contre, j'ai bien remarqué qu'après, le reste de la journée, je me sentais mieux, j'étais plus joyeuse, j'ai plus envie de danser, de chanter, quoi. Et donc, c'était un effet de la masturbation, mais c'était pas un plaisir direct pendant, c'était le fait que j'ai passé ce moment-là qui a activé quelque chose en moi qui m'a apporté plus de joie de vivre. Donc, observez bien comment vous sentez après et peut-être n'ayez pas les mêmes attentes que pour d'autres activités. Et ensuite, évidemment, alors là, moi, les nouveaux conseils que j'ai appris, alors ça, c'est grâce à Shawnee Love. Si vous ne connaissez pas, bon, il est anglophone et il fait un super travail de sexe positive aussi autour du tantra kinky, etc., shadow tantra, conscious kinky, etc. Et alors ça, et ça lui vient de Joseph Kramer, je crois, de l'école du body électrique. Et eux, en fait, ça se recoupe avec plein de notions de tantra aussi, tantra anglophone hein, plutôt. C'est l'idée que souvent, quand on se masturbe, on est le corps immobile, parfois le corps contracté et fermé. Donc, soit on est assis, soit on est allongé sur le ventre. Pour les femmes, beaucoup de femmes se masturbent allongées sur le ventre, etc. Et en fait, lui, il propose du coup de passer à la place de l'immobilité, de mettre du mouvement et à la place d'avoir le corps figé, fermé, ouvrir. Donc, plutôt de se mettre debout, par exemple. Donc, voilà, je peux me regarder un porno, voilà, sur mon écran. Et là, au lieu de faire ça, genre, tout à fait caché avec mon téléphone sous la couverture, de me mettre, ok, je vais carrément un grand écran, je vais ça dans le salon, si je suis toute seule, j'en profite. Et en fait, voilà, c'est l'idée, ça va être de... Je me suis fait belle pour le live. L'idée, ça va être de se mettre debout et de bouger tout le corps d'aller pourquoi pas caresser son corps en entier, d'aller bouger, et voilà. Et pas forcément d'aller
directement sur le sexe. Mais voilà, de bouger avec l'excitation, de bouger avec la stimulation, de bouger avec la musique ou autre. Et puis quand l'excitation elle vient, ben on peut au bout d'un moment jouer avec, la faire monter, la faire redescendre, relâcher. Et moi, ce que je recommande en slow sex love life, en slow sex tout court, c'est vraiment de commencer par relâcher tout le corps. Donc moi, je vous mettrais carrément une méditation guidée en mode on se fait une sophrologie préalable, sophro, méditation guidée, un body scan, un balayage du corps pour aller redétendre tout le corps. On relâche, on relâche, on relâche. Une fois qu'on est parfaitement détendu, là, on va aiguiser nos sens, comme j'ai dit tout à l'heure, on va aiguiser le plaisir dans les mains, ou aiguiser les perceptions du corps, de la peau, etc. Et quand il y a une stimulation, que ce soit par la pornographie ou autre, ou un audio, ou même juste notre imaginaire, évidemment, on a nos fantasmes, les gens sur qui on fantasme, etc. Et là, de se laisser emporter par ça, de profiter, et régulièrement de voir, ah, est-ce que là, mon corps, il s'est tendu, et de revenir à de la détente. Et n'hésitez surtout pas à vous arrêter avant d'avoir besoin de jouir. Comme ça, vous repartez avec cette énergie-là. Qui fait ça? Qui fait ça? Mais en fait, il y a plein de gens qui font ça. Et c'est ça qui m'énerve. Non, mais c'est ouais. Ok, ok. Je penserai à toi, du coup. Oui, aucun souci. Alors, ça me fait bizarre des fois quand c'est des clients qui me disent « Ah, ben on était au lit, on a pensé à Emmanuel, on s'est dit oui. » Alors, ça va si c'est toi, mais quand c'est des clients, des gens que j'ai coachés, ça me fait bizarre toujours. Ou des gens qui viennent à mes stages, je suis là « Non, mais quand vous faites l'amour, s'il vous plaît, ne pensez pas à moi, en fait. Hein. » Mais bon, ils ont l'air d'être contents de penser à moi, ça leur rappelle des bons conseils et ça améliore les choses, donc ok. C'est très drôle. Mais à ce propos, il y a un concept que j'utilise, c'est une image, c'est pas un concept, c'est une image que j'utilise parfois, c'est l'image du lapin blanc. Et un peu Alice au Pays des Merveilles aussi, si je suis un chasseur et qu'il y a un lapin qui passe, j'ai envie de tirer dessus. Et en fait, le lapin, c'est la possibilité de jouir. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'au lieu de, dès qu'il y a un lapin blanc, je lui cours après, j'essaie de le chasser, dire « Oui, j'ai la possibilité de jouir qui passe. » Et je me détends et je me relâche et je laisse passer le lapin. Je le vois et je le laisse passer. Comme en méditation, je vois qu'il y a des pensées. « Ah, telle pensée est là, ben, je la laisse passer. Je ne m'y accroche pas. » Comme les nuages dans le ciel, je ne m'y accroche pas, ils passent. Et pareil pour la possibilité de jouir. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a cette possibilité de jouir qui arrive, souvent, hop, on prend le train et on part dans des mécanismes automatiques. Alors qu'avant, ça pouvait être des cases qui étaient beaucoup plus créatives, exploratoires, etc. Alors évidemment, vous pouvez saisir le lapin, le tirer et jouir. Il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez explorer d'autres choses, vous pouvez mettre ça en pratique. Et ça change tout. Moi, j'ai des clients qui sont super élogieux avec ces conseils-là. Mais ça change, c'est fou, ça change leur vie, quoi. C'est incroyable, incroyable. Nice. Yes. On est déjà. Tu veux qu'on passe aux questions des gens, peut-être? Ouais. Moi, j'ai vu qu'il y avait une question du coup sur le chat de la part de Yannick. Côté homme, je vois plus la question. Réapprendre à se masturber et sortir de la scission masturbation sexe à deux. Oui, se masturber à deux. Ouais, je pense qu'il parle de ça et de réapprendre à se masturber. Je pense que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à réinvestir la sphère émotionnelle plutôt que d'être dans l'automatisme. Et puis bah là, ça a été enfin voilà. C'est que tu as réussi par ton histoire de chasseur. Ah voilà, ça y est, j'ai accès aux commentaires. Ah, la technologie, c'est incroyable. Ouais, et c'est ça. Moi, j'avais eu une question en amont, qui était une personne qui en fait finalement avait beaucoup de mal à toucher son corps, à s'explorer et à vraiment rien que se toucher. Et donc c'est la question du rapport à son corps là qui est centrale. C'est je n'apprécie pas mon corps, j'ai du mal à me toucher et à me masturber. Et donc là, ce dont on parlait tout à l'heure, du coup, c'est le côté ok,
je remets de l'amour vers moi-même. C'est s'aimer soi-même. C'est ok, je m'accepte comme je suis et je pratique le self-love. C'est l'estime de soi à l'état pur, quoi. Ouais, absolument. Ouais, on a notre collègue Laura Cherfi qui a un programme en ligne en ce moment, self-love. Donc c'est vraiment c'est un de ses thèmes. Il est aussi en 21 jours. Et ouais, non, mais ça, c'est le truc des 21 jours. Non, elle a fait un challenge de 21 jours, mais sinon, elle a un autre accompagnement, ouais. Ouais, voilà. Ouais, moi, ça a été tout un parcours aussi d'accepter d'aimer mon corps. C'est-à-dire que moi, j'ai à la fois des parties de mon corps que j'aime plus ou moins, mais surtout adolescente, j'étais en internat et les filles étaient toutes belles. On avait toutes 15 ans, on était toutes magnifiques. Mais vraiment, elles étaient super, elles étaient sublimes. Et malgré tout, et moi, je me trouvais pas mal. J'étais ni plus moche ni plus belle. Enfin, je me sentais vraiment. En fait, je les trouvais elles vraiment belles et moi, je me trouvais bien, quoi. Mais j'étais en paix avec ça, quoi. J'étais pas jalouse ou envieuse. Et tous les matins, dans la salle de bain, se maquiller. Oh là là, mais ces cheveux, oh, mais c'est pas possible. Oh là là, mais cette peau. Oh, mais j'en ai marre. Oh, mais en fait, elles passaient 5-10 minutes à détruire leur corps verbalement, quoi. Alors que moi, tout discrètement, je les regardais, puis tous les matins, je me disais, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Et moi, je me trouve plutôt, bah ouais, j'ai des jolis yeux. Bah oui, il y a ça et ça qui est sympa. Bon, voilà, quoi. Et évidemment, il y a des choses que j'aimais moins, mais je m'en accommodais très bien, en fait. Et en fait, il a fallu vraiment que je fasse cet accord en moi-même de me dire, ok, c'est pas parce que toutes les femmes détestent leur corps autour de moi que moi, je dois faire pareil. C'est pas parce qu'il n'est pas parfait que je ne vais pas l'aimer. C'est pas parce qu'il ne correspond pas à certains trucs que je ne vais pas apprécier là où ça me plaît vraiment. Donc, il y a eu déjà cet espace où je ne me suis pas laissée aller à faire comme les autres. C'est assez facile pour moi, je vous dirais. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, c'est ça. Mais de me dire, ok, en fait, ça n'a pas d'utilité, ça ne m'apporte rien d'avoir ces pensées-là. Et je n'ai pas besoin de ça pour être aimée, en fait. Je n'ai pas besoin d'avoir un corps qui soit différent pour recevoir de l'amour. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris chaque partie de mon corps que je trouvais moins jolie et je me suis posée avec et j'ai cherché ce qui pouvait être bien dedans. Donc, par exemple, j'ai des pieds qui sont ultra larges. J'ai des pieds, mon ex, il dit, c'est des pieds de pierre à feu. Si vous connaissez les Flintstones, les grosses patates en pierre. Donc, il n'arrêtait pas de dire, j'ai des pieds en patates, etc. Il se moquait de moi. Et moi aussi, je trouve que je sais pas, c'est pas possible de mettre des sandales ou des escarpins. C'est pas du tout féminin, mes pieds. Je suis pas des pieds pour les fétichistes, je pense. Enfin, peut-être, mais pas tous, en tout cas. Mais bref. Et en fait, je me suis posée avec mes pieds et je dis, ok, qu'est-ce qui me plaît dans mes pieds, en fait? Qu'est-ce qui est chouette? Eh bien, mes pieds, pour moi, ils ont beaucoup de sensualité. C'est-à-dire que peut-être que la forme n'est pas féminine, mais tout est arrondi, tout est dans des rondeurs. Et ça, quand je mets les pieds dans de la gadoue, mais qu'est-ce que j'aime ça! Et en fait, mes pieds, peut-être que visuellement, ils ne sont pas dans certains canons de beauté, mais je me suis dit, non, mais je les aime parce qu'avec, je vis énormément de plaisir et de sensualité. Ils tiennent bien par terre, ils tiennent, je peux marcher pieds nus, je peux grimper des trucs. C'est des pieds qui ne sont pas fragiles, quoi. C'est des pieds qui me mettent bien dans la terre et du coup, qui me connectent à la terre. Et ça, j'aime ça, en fait. Du coup, je suis allée chercher dans mon imaginaire des modèles de choses qui me plairaient, en fait. Des archétypes, des héros, des choses où je peux dire, ouais, ça, c'est classe. Ce n'est pas forcément très féminin dans les canons de beauté, mais il y a d'autres archétypes qui me plaisent beaucoup avec ça. Donc, la fille de la nature, je ne sais pas, Corrigan, elfe, fée, bon, un petit peu hobbit aussi. Bon, j'ai quelques petits points sur les pieds, voilà. Parfait. Moi, j'adore. Et j'ai fait ça pour chaque partie de mon corps. Donc, j'ai fait ça pour mes grosses cuisses qui sont des bons gros cuissons. Bon, eh bien, au départ, j'étais, ouais, j'aimerais mieux avoir des cuisses fines, effilées, etc. Puis après, j'ai fait, mais c'est pareil, c'est des rondeurs. Ça. Et j'ai cherché pour chaque partie de mon corps ce que j'aime. Et il y a des parties de mon corps où c'était déjà facile. J'adore mon dos, je trouve très beau, mes cheveux, ou je sais pas, ma nuque, ou mes yeux, ou mes seins, j'adore mes seins. Il y a plein de parties de mon corps que j'aimais déjà. Donc, j'étais là-bas, j'accepte de les aimer, j'assume que je les aime. Et puis, d'autres parties de mon corps, je me pose jusqu'à ce que je vois qu'elles m'apportent de bon et de positif. Et parfois, ça prend de passer par le regard de quelqu'un d'autre, de voir que quelqu'un, j'avais un chéri, ah non, c'est pas un chéri, non, c'est pas du tout, c'est pas un chéri, un ami, qui adorait mes poignées d'amour. Il adore les poignées d'amour chez toutes les filles. Et en fait, quand il les voyait, quand je levais mon pull et je, voilà, et ben, ça faisait remonter mon t-shirt, il disait, oh là là, mais tes poignées d'amour, elles sont tellement belles. Et du coup, en fait,
Après, quand je fais mon bilan toute seule, je dis ouais, ok, j'ai un peu de bide, mais on peut m'agripper par les poignées d'amour, on peut les pétrir. Et en fait, ça m'apporte du plaisir en réalité. Du coup, voilà, j'invite tout le monde à se poser et prendre le temps. Et c'est pareil pour mon sexe. Alors, mon sexe, moi, j'ai de la difficulté à aimer mon sexe visuellement, c'est compliqué pour moi. Ça l'a toujours été, depuis que j'ai des poils en tout cas, puis avant je ne me posais pas la question. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis retrouvée à un atelier avec une amie, Lucie Ozano, que je salue, qui est artiste, peintre, et qui avait donné un atelier pour dessiner et peindre sa vulve. Donc on était juste entre personnes qui avaient des vulves, chacune sa vulve, et on l'avait pris en photo, on a venu avec notre photo, et là il fallait la dessiner, la peindre, etc. Et en fait, c'est là que je suis allée voir dans les détails. C'est-à-dire que moi, habituellement, je vois plein de poils et je vois un truc rouge au milieu. Et je dis, ah, c'est dégoûtant, peur. Et là, en fait, à devoir dessiner, j'ai dû vraiment regarder dans les détails. Et c'est vrai que ce retombé des lèvres qui fait un peu comme un rideau qui retombe ou une forme de grappe, il y a comme un drapé, hein, comme en sculpture, les sculptures grecques, ça, des drapés, des tissus, etc. Et puis il y avait toutes les nuances de rose, les nuances nacrées, et là tu te dis, ah ouais, mais c'est comme l'intérieur d'un coquillage, c'est tout lisse. Et là finalement, je suis en train de me perdre, de me noyer dans toutes ces nuances de nacré, de rose, de corail, de rouge, de brun, de violet. Et là j'étais là, waouh, en fait c'est beau. Et c'est pareil, aimer son corps, aimer son sexe, pour moi ça a été une question d'aller le chercher, de dépasser tous ces moments d'inconfort, de voir que je ne suis pas la seule à ne pas être à l'aise. Et qu'il y a des gens qui aiment mon sexe tel qu'il est. Et moi, j'ai passé du temps avec des amants qui étaient là, la tête entre mes jambes, en disant « Waouh, c'est beau !» Et moi, j'étais là « Mais genre, un quart d'heure, ils voulaient juste me regarder, là. Et j'étais jeune, j'avais 19-20 ans. Hein. C'était bien avant que je fasse l'invitation orgasmique. Il était entre mes jambes à regarder comme ça. J'étais là « Waouh, c'est beau !» Et moi, j'étais là « Mais c'est bizarre, bah, c'est dégoûtant, mais qu'est-ce que tu trouves de beau ?» Et aujourd'hui, je prends la photo, puis je regarde. Et puis, au bout d'un moment, je fais « Ah oui, là, il y a une couleur que j'aime bien. Ah oui, là, il y a quelque chose qui est plutôt joli. » Et donc, je vais chercher l'amour de mon corps, l'acceptation de mon corps comme ça. Et donc, c'est pas, pour moi, ça, ce n'est pas magique. C'est un truc à entretenir aussi un peu tous les jours. Et d'ailleurs, à ce propos, ma Magina, elle est super. Ça, c'est le livre qui est traduit en français, mais sinon, elle est en anglais. Et elle a plein de trucs pour sa vulve. Donc, tous les jours, la regarder avec un miroir et lui dire un mot d'amour. Alors, on se sent débile en faisant ça. Mais en fait, ça fait une énorme différence dans la vie. Elle recommande à ses copines, pour avoir de la chance, de prendre un petit peu de la mouille et de la mettre derrière les oreilles. Parce que c'est un peu de la pensée magique. C'est un peu... Mais en fait, elle conseille aussi d'acheter et de mettre des bijoux pour notre sexe. Donc, c'est vrai qu'il y a des petites chaînettes, il y a des choses qu'on peut mettre. Des bijoux pour ornementer notre sexe, comme on peut le faire pour les chevilles, pour la taille, dans plein de cultures, ça se fait, mais on peut aussi le faire pour notre sexe, ça fait très, très élégant et très joli, etc. Donc, d'aller se réapproprier, chercher tout ça et créer des petits rituels d'amour pour notre corps et notre sexe. Voilà, est-ce que tu veux, et puis je peux continuer encore très longtemps, mais... Non, mais c'est passionnant, enfin, c'est un sujet de toute façon qui est... sur lequel on pourrait parler des heures et des heures, donc je repense aux conversations que j'ai eues avec ces personnes, du coup, par rapport à ce blocage de s'accepter, de se dire ok, je m'aime et du coup je peux lâcher prise et prendre du plaisir à me toucher, à m'explorer, etc. C'est ce que tu dis, c'est pas, il n'y a pas de baguette magique et c'est un petit peu tous les jours pour y aller, quoi, pour se donner de plus en plus d'amour. Et en fait, c'est en se centrant sur soi, on se redonne aussi de la valeur. Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont très tournées vers les autres et qui vont tout faire pour que les autres se sentent bien, et finalement s'oublier. Donc ça, qu'est-ce que ça dit finalement ? Qu'est-ce que ça dit à notre système ? C'est que finalement, la valeur des autres, pour nous, est plus importante que notre propre valeur. Et ça, c'est ce qui fait le déséquilibre d'estime de soi. C'est ce qui fait que finalement, on ne va pas se sentir valable. Et donc, le fait de remettre l'attention sur soi,
ça ne veut pas dire qu'on va oublier les autres, mais ça veut dire que bah, je mérite de m'occuper de moi, et c'est ok si je m'occupe des autres, c'est pas le problème, mais moi aussi je m'occupe de moi, je fais partie des personnes que je côtoie. Et ça, pour moi, c'était une révélation, en fait. Très sincèrement, j'ai compris ça, que ben, finalement, la personne à qui je passe le plus de temps, ben, c'est moi-même. C'est pas mes collègues, c'est pas mes colocs, c'est pas mes relations, non, c'est moi tout seul. Et finalement, ben, c'est un peu notre relation socle, c'est nous-mêmes, quoi. Donc, si je suis ancrée, si je suis au clair avec moi-même, ben, ça ira mieux. Du coup, mieux je serai avec moi, mieux ça sera dans mon quotidien, quoi. Ouais. Voilà, c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Bah, moi, pour moi, c'est bon. En fait, on pourrait continuer des heures et des heures, mais on a fait à peu près la durée qu'on voulait. On peut peut-être, c'est quoi que tu me disais au début, tout à l'heure, juste avant qu'on commence, c'était... Ah oui, tu me parlais de l'autonomie sexuelle. Oui. On peut répondre peut-être à cette question-là. Est-ce que c'est la personne qui avait dit... les hommes doivent-ils plutôt apprendre à s'en passer, ou en ont-ils vraiment besoin, ou je ne sais plus ce que c'était. Et c'est ce qu'on se disait, donc je vais le dire là. Je vous invite tous à aller chercher ce que vous recherchez réellement au travers de la jouissance, au travers de la sexualité, avec quelqu'un ou seul. Et une fois que vous savez c'est quoi que vous cherchez vraiment, vous pouvez l'avoir d'autres manières. Ou ne pas être dépendant d'une façon de faire, d'un accès. Moi, je vois beaucoup, parce que je parle beaucoup avec des hommes, je leur pose plein de questions, je suis très curieuse, qu'en fait, ils n'ont pas tous appris qu'ils pouvaient avoir accès à de la tendresse gratuite. Et du coup, comme ils n'ont pas accès à de la tendresse, des câlins, du toucher, ou oui, de l'affection, de la tendresse, là, oui, ce à quoi ils ont droit dans leur façon d'être éduqués, de se construire, en fait, c'est la sexualité. Ça, ils ont le droit. Ils ont le droit d'être sexuels, ils ont le droit d'être des donjuants, ils ont le droit d'avoir envie de sexe, etc. Et ça devient même un tabou pour les hommes de ne pas en avoir envie tout le temps. C'est difficile d'assumer. Puis en face, pour les hommes hétéros, les femmes ne comprennent pas du tout quoi tu m'aimes pas. Parce qu'on a tellement figé les hommes dans ils ont envie tout le temps qu'ils ne peuvent pas, et c'est difficile d'en sortir. Donc ça, c'est hyper important de le déconstruire. Je recommande d'ailleurs la chaîne Tubande sur Instagram, qui est géniale pour déconstruire toutes les choses sur les masculinités. Entre autres, il y en a plein d'autres, mais voilà, celle-ci, j'aime beaucoup. Et du coup, donc en parlant avec les hommes, j'ai découvert qu'en fait, ce qu'ils cherchent au travers de la sexualité et de la pénétration, c'est est-ce que tu m'acceptes ? Est-ce que je suis validée ? Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que je suis assez bien ? Et du coup, en fait, une fois que tout ça s'est résolu, il y a beaucoup moins de pression à avoir de la sexualité et de la pénétration, en fait. Et du coup, après, on peut faire plein d'autres trucs, et ça peut être une option parmi d'autres, mais il n'y a pas de tension pour l'avoir absolument, en fait, parce qu'il n'y a pas besoin de valider toutes ces choses-là. C'est oui, tu es aimé, oui, je te valide, oui, tu es assez bien, oui, je te choisis et je suis heureuse d'être avec toi. Bon, bah, et maintenant, ah bah c'est cool, on peut faire des galipettes sans qu'il y ait forcément de la pénétration, ou on peut chacun faire sa vie, se retrouver plus tard. C'est juste un espace où ils ont, pour certains, besoin de se rassurer. C'est un espace de est-ce que c'est. Ils utilisent la sexualité pour se rassurer et du coup aussi pour leur estime d'eux et plein de choses comme ça. Et il y a plein de femmes qui font pareil aussi, hein, évidemment. C'est pas du tout genré, hein, mais moi je l'ai observé chez les hommes, parce que c'est eux qui m'intéressent. Je suis plutôt hétéro aussi, c'est un grand mystère parfois. Donc voilà. Et du coup, voilà, aller chercher c'est quoi, à quoi ça répond. Et du coup, on parlait des besoins. Alors, il y a ce vieux mythe, hein, oui, mais c'est un besoin, la sexualité. Je pense que le besoin, c'est de se sentir aimé, validé, accepté. Évidemment, dans une certaine mesure, on a besoin de contact physique, mais ça n'est pas forcément sexuel, en fait. Moi, je peux me passer de sexualité dans des périodes où j'ai suffisamment de. On se prend dans les bras, on se touche quand on se parle. Et on est tous différents. Il y a des gens qui ont beaucoup moins besoin de contact physique, ou qui n'ont besoin que dans certaines sphères très très proches ou intimes, hein. Et puis d'autres qui sont beaucoup plus ouverts, qui peuvent en avoir beaucoup plus facilement que plein de gens. On n'a pas les mêmes besoins. Mais pour moi, c'est plutôt un besoin de. Tu parlais de besoin plutôt de complicité, de connexion, en fait, plutôt que de. Parce que sinon, je veux dire, le nombre de gens qui. Enfin, c'est en réalité, c'est pas satisfaisant. Je vois bien, moi j'étais. Je vais vous raconter encore un truc perso, très perso. J'ai rencontré un homme dans un club libertin un jour, et puis
et ben on n'a pas fait de sexe. Enfin, moi, il m'a proposé un massage. Et en fait, il avait l'option d'aller avec une femme pour faire du sexe. Il a préféré venir avec moi pour qu'on papote. Et qu'on se masse. Enfin, on est quand même un peu touché. Et puis, en fait, il m'a même ramené chez moi après, en voiture. Et là, il me dit, ah, mais tu me rappelles, si tu as envie d'y retourner, on y retourne ensemble. Et moi, je lui dis, oui, ça te fera l'entrée moins chère. Ah non, c'est pas pour ça, j'ai plein de copines à qui je peux y aller pour l'entrée, pour payer moins cher. Et puis avec qui je fais du sexe, c'est cool et tout. Et je fais, mais pourquoi tu veux y aller avec moi plutôt qu'avec elle? Enfin, pourquoi tu me proposes? Parce que moi, j'aime bien parler avec toi. Donc, je dis, hein, quoi? J'étais encore dans la construction que les mecs, ils veulent tous me baiser, il n'y a que le sexe, ils veulent que ça. Puis en fait, le mec, il a du sexe autant qu'il veut avec plein de femmes et ça se passe bien. Il avait vraiment juste envie de... Il préfère parler avec quelqu'un avec qui il trouve de la complicité et on se comprend et on s'apprécie. Donc, il préférait parler avec moi de tout et de rien parce qu'il aimait bien plutôt que de faire du sexe à côté. Et moi, j'étais là, ah, quoi ? Et c'est tellement important de continuer de déconstruire tous ces a priori sur les hommes, pour moi comme pour tout le monde, je pense, et pour les hommes aussi, d'ailleurs. Enfin, voilà, je vais juste parler de ça et dire que le besoin, finalement, c'est plus c'est ça, de la complicité, de la connexion, plutôt que qu'est-ce qu'on fait ensemble. Ça, ça s'est vérifié pour moi avec plein de personnes. Voilà, voilà. Non, du coup, je peux boucler avec... Dans mon livre, là, vous avez... tac, tac, tac. Vous avez... il est où ? Page 23. Dans mon livre, il y a des méditations pour justement se préparer à des séances de masturbation en conscience. Et puis, il y a l'exercice 23, la méditation des caresses. Donc, comment se caresser soi-même d'une façon qui va être nourrissante, agréable, positive. Il y a aussi... Alors là, elle est habillée, mais elle devrait être nue. Donc, avec l'éditeur, on ne sait pas bien... les éditeurs, c'est... Je suis quand même contente de l'éditeur, hein, mais ah non, elle est nue avec son œuf de yoni. Donc, on peut utiliser des œufs de yoni, des bâtons de yoni, des tas de choses. Et puis, ah oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Mama Gina qui est géniale. Mama Gina, tu parlais de self-love et ce moment pour s'aimer. Mais alors, faites-le. Hein, je veux dire, enfin, pourquoi ? Moi, ça, je n'ai jamais fait, je n'ai pas pensé, mais des moments de masturbation ou de temps de self-love, parce que du coup, ce n'est pas forcément génital, mais de créer le rituel de. J'aime ça chez moi, je suis fière de moi pour ça, je me félicite pour ça, j'ai réussi ça en fait, ou je me donne de l'empathie parce que je suis vraiment en train de vivre un truc difficile et là je suis vraiment en train de faire mon mieux et du coup de se nourrir là comme ça et voilà, de prendre le temps de dire bah, t'as des belles valeurs, t'as des beaux aspects à ta personnalité, t'es en train de faire des choses positives et bien, et de prendre le temps pour me le dire vraiment quoi. Pour rajouter ça dans le rituel, oui. En fait, se parler comme à si on parlait à une amie ou à un ami, oui. C'est tout bête, hein. Mais jamais tu dirais ta pote parce qu'elle a fait tomber un truc, mais putain, t'es trop conne. Non, tu dirais, oh, c'est pas grave, on va ramasser. Voilà, c'est ça, absolument. Mm-hmm. Bon, bah super, et bien merci à toutes les personnes qui nous regardent, les amis. Yes, c'est j'ai hâte de vous voir en vrai, hein, je vous avoue, là je vous vois tous, là je vous connais là. Je sais pas tous, oui, c'est la fin de ce confinement. On va pouvoir sortir à plus de 200 mètres de chez soi, c'est cool. Voilà, si vous voulez continuer à avoir du contenu, moi je l'ai marqué en bas, du coup c'est pour suivre sur Instagram et sur Facebook. Et puis bah, si vous avez des besoins d'écoute, etc., je vous invite à aller voir sur mon site internet toute la démarche thérapeutique de thérapie brève. C'était super chouette. Merci Manuel d'avoir lancé cette idée à la volée comme ça. Je fais, oh mais grave, c'est trop belle idée. Super, bah, c'est un grand plaisir. Et puis moi aussi là je suis en train de travailler pour lancer un cours en ligne de méditation orgasmique qui va être assez conséquent. On est à plus de 20 séances, donc il y a la moitié des séances qui vont être enregistrées, des cours un peu théoriques, et puis après des lives avec des exercices pour accompagner les gens et des tas de ressources. Donc c'est un gros boulot, mais c'est chouette, et donc ça va être accessible, je sais pas quand finalement. Et sinon bah oui, moi je reprends aussi de pouvoir recevoir des gens par Zoom aussi, en ligne, donner des coachings, accompagner les gens sur tout ça. Donc voilà. Et puis mon petit livre, si vous n'arrivez pas à l'avoir dans les magasins parce qu'ils sont en rupture de stock, je pense que ça va se rétablir maintenant que la fin du confinement. Mais vous pouvez aussi me le demander à moi et on peut vous l'envoyer par la poste.
j'ai encore quelques exemplaires. Et sinon, après, normalement, commandez-le en librairie. Il faut qu'on sauve nos librairies, là. Hein, c'est important. Donc, voilà. Il faut qu'il ne soit pas complètement juste lié. Voilà. Voilà. Ben, merci. Et bon mois de mai de la masturbation. Ouh, et merci à vous d'avoir écouté, regardé, suivi. Merci pour vos questions. Voilà. Bon après-midi. À la prochaine.